Bien, bonjour à tous. Comme vous êtes étudiant en devenir, je vais vous parler un petit peu de ce que j'étais à votre âge. Est-ce qu'il y a des étudiants de STAPS ici? Il y en a quelques-uns? D'accord. Bon, moi j'ai commencé par STAPS, à une époque où les sportifs de haut niveau n'étaient pas très bien vus, carrément mal vus. Par exemple, on nous mettait la natation le samedi matin quand on jouait en première division, donc... Quand vous faites une séance de natation carton le samedi matin, vous faites un déplacement derrière, et ben le samedi soir, vous avez du mal à être performant. Il se trouve que j'ai redoublé la première année de STAPS parce que j'étais pas bon au trampoline et au bar asymétrique. Non, pas au bar asymétrique, au bar parallèle, pardon, et à la barre fixe. Alors que j'avais des bonnes notes partout ailleurs. Puis après, je me suis blessé, j'ai arrêté STAPS. Et je ne l'ai pas regretté. Mais par contre, je vais vous tenir un discours inverse parce que des gens comme moi, il y en a très peu, très très peu. Donc ne sortez pas d'ici en vous disant c'est pas la peine que je continue parce que il y a des gens qui la plupart des gens qui arrêtent les études après trouvent des boulots et c'est compliqué dans le sport, le travail. Donc si j'avais un conseil à vous donner, allez vers le CAPES et derrière, vous pourrez toujours prendre une disponibilité si vous voulez faire autre chose. Mais n'en demeure pas moins que c'est la sécurité et qu'en plus, le métier de prof, c'est un beau métier, à condition qu'on puisse l'exercer dans de bonnes conditions. Alors oui, effectivement, la première chose que je voudrais vous dire, je vais faire un prolongement avec la présentation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on confond la réussite et la gagne. Ce qui est majeur aujourd'hui, c'est la gagne. Il faudrait gagner tout le temps, tout le temps. Et bien évident que si vous gagnez tout le temps, vous êtes au summum de la réussite, mais vous pouvez très bien réussir sans gagner. Parce que ça dépend de vos moyens. Vous pouvez faire des belles compétitions, et faire deuxième, faire troisième, avoir été au bout de ce que vous pouvez faire, sans forcément gagner. Mais ce n'est pas la mode aujourd'hui. Alors moi, je vis dans une maison extrêmement exigeante. Bon, si vous suivez un peu le sport, vous savez que dans la maison handball française, vous avez des garçons qui mettent la barre... très 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 haut, et nous on essaye de suivre, et on a du mal à suivre. Bon, on est assez fiers, sur les trois dernières compétitions, on a fait le même classement que les garçons, donc on nous fout un peu la paix, mais c'est difficile, parce que la demande est extrêmement haute. La demande est extrêmement haute aussi parce que le handball cherche à se développer, et que le handball a l'impression que les résultats des équipes de France vont lui permettre de se développer. C'est vrai et pas vrai à la fois. C'est vrai parce qu'effectivement, ça fait parler de nous, mais c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de bousculer les hiérarchies dans le sport. Hein. Juste pour vous dire que le football a 1,2 milliard de droits télé, pendant que le handball en a à peine 10 millions, tout cumulé. Donc, c'est pas toujours facile de vivre, et je pense que pour développer le handball, il n'y a pas que le résultat de l'équipe de France, parce que sinon, le jour où on n'a pas de résultat, on pense qu'on n'a plus rien, alors qu'on a quelque chose. Ce quelque chose, je vais essayer de vous l'expliquer en parlant, bien sûr, de la réussite, mais d'abord de ce sport que vous avez vu. Donc, le handball, c'est quoi? Le handball, c'est un sport de balle. Pourquoi? Ça, vous le savez, mais ça veut dire que ça demande une grande dextérité motrice. Donc ça peut se développer, mais il y a aussi une notion de talent dans la dextérité motrice. Vous n'êtes pas égaux, ceux qui sont en STAPS le savent bien, vous qui faites du sport. J'ai oublié de demander, il y a des handballeurs et des handballeuses ici dans la salle? Ouais, bien. Donc vous savez très bien qu'au départ, dans les qualités motrices, vous avez ce qu'on appelle les qualités de coordination et de dissociation. Parce que ce qui est compliqué dans le handball, c'est d'échanger ce sacré ballon tout en courant, tout en faisant des changements de direction. Si je vous donne un ballon, si je me mets avec toi et qu'on fait des passes sans avancer, sans bouger, on va se les faire assez facilement. Quand on va commencer à bouger, qu'on va s'orienter vers là et qu'il va falloir donner les balles ici, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un sport de salle. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est qu'il faut faire le plus de bruit possible dans les salles. Donc il y a la sono qui joue la musique dès qu'elle peut, et puis vous avez les supporters. Alors désolé s'il y en a dans la salle, mais en général, les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le plus de bruit possible. D'accord?
Mais il y a deux groupes de supporters, il y a deux équipes, donc il y a deux groupes de supporters. Donc c'est un peu, ça va crescendo. Nous on a des trompettes, ouais mais nous on a des tambours, ouais mais nous on a des trompettes et des tambours. Ouais mais nous on a des trompettes, des tambours et des vuvuzela. C'est un peu comme les gosses qui se mettent, les jeunes garçons qui se mettent comme ça pour voir celui qui pissera le plus loin, quoi. C'est à peu près ça. Et nous là-dedans, on n'entend plus rien. Et ça c'est important parce qu'une équipe qui ne peut plus communiquer verbalement, il faut bien qu'elle ait un autre réseau d'échange dans la communication. Et ça crée quand même du stress. Aujourd'hui, ça va mieux, mais il y a aussi des salles dans certains pays, Macédoine, un peu de pays d'Europe centrale, où on peut vous jeter des pièces, on peut vous cracher dessus. On pouvait aussi faire des cris de singe quand il y avait une joueuse de couleur qui touchait la balle, et ça, c'est pas facile à gérer. Il faut être stable. Bon, c'est un sport de contact. Et c'est pas facile, et particulièrement pas facile pour les filles. Parce que c'est vrai que si les garçons peuvent penser qu'une blessure de guerre ici, c'est un peu rigolo, les filles, ça les fait pas rire du tout. Donc c'est un sport où il y a beaucoup de contacts, et il faut être courageux, on prend des coups, on essaye de les éviter, et dans le handball féminin, on va chercher justement à être un peu plus dans l'évitement que dans la confrontation physique. Alors, c'est un sport codifié par des arbitres. Le rôle d'arbitre, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile d'arbitrer. Et c'est vrai que comme c'est difficile, il peut y avoir des erreurs. Et nous, les coachs, et nous, les joueurs et les joueuses, on doit quand même avoir une certaine stabilité par rapport à ça, une acceptation, une empathie par rapport aux arbitres. C'est un sport d'opposition. Ce n'est pas un sport de chronomètre. Dans un sport d'opposition, qu'il soit individuel ou collectif, vous avez toujours sur le terrain un chasseur et une proie. Le meilleur exemple, c'est le tennis. Vous regardez la finale de Roland-Garros, vous regardez le premier set, il y en a un qui domine, il y en a un qui dominait. Vous avez une course à faire, vous partez une heure, vous revenez au troisième set, celui qui dominait ne domine plus, et c'est l'autre qui a pris le dessus. Donc nous, on essaye de travailler pour être d'abord le plus souvent possible chasseur. Quand on est chasseur, comme on reste chasseur, et puis si d'aventure on est la proie, eh ben on va essayer d'inverser cette tendance pour redevenir le chasseur. Et puis bien sûr, ce qui est le plus passionnant, c'est que c'est un sport collectif. La grande mode aujourd'hui, c'est de parler de l'intelligence collective. C'est énormément développé, donc il y a beaucoup de choses derrière ce mot-là. Ce qui est important de dire, c'est que l'intelligence collective, c'est pas du tout seulement s'occuper du collectif. Absolument pas. L'intelligence collective, c'est en premier lieu, à mon avis, développer les capacités individuelles. Et par rapport à ça, je vais vous parler d'une deuxième chose qui est importante, c'est la notion de transversalité. J'y reviendrai. Alors, parce que nous, je vous parle de l'équipe de France, mais je vous parle aussi de mon métier dans la grande maison qui est la Fédération Française de Handball, et on a encore beaucoup de chemin à parcourir sur la transversalité. Par exemple, on n'est pas transversal entre les filles et les garçons. On n'est pas du tout transversal entre les filles et les garçons, alors qu'on pourrait avoir des partages d'expériences et des partages de compétences. Et souvent, la problématique de la transversalité, ça passe par une problématique au niveau de l'information. Le pouvoir, c'est l'information. Vous allez le voir dans votre métier, quand vous allez commencer, vous allez recevoir des centaines de mails. Mais les informations cruciales dans la boîte, et notamment qui ont domaine aux moyens et à l'argent, vous ne les recevrez pas forcément. Quand je demande, poussé par certaines joueuses qui n'ont pas été augmentées, juste pour vous expliquer qu'une joueuse de handball, elle est professionnelle dans son club, elle a un salaire, et quand elle vient chez nous, on la rétribue de deux manières. On la rétribue sur ce qu'on appelle des aides personnalisées, qui sont des indemnités. On la rétribue avec des primes, qui sont très conséquentes en cas de résultats très élevés. Donc quand les filles demandent à faire revaloriser leur indemnité, la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Je vais voir le directeur technique national et je lui demande, et les garçons, combien ils ont?
Et là, tout d'un coup, il a un problème de mémoire. Il ne sait plus. C'est marrant, hein? Et là, il me dit, oh, je ne sais plus, il faut que je regarde. Et là, vous vous rendez vraiment compte qu'il vous prend pour un con, quoi. Mais cette information-là, il n'a pas envie de vous la donner. D'abord parce qu'elle représente une forme de pouvoir, et puis ensuite, par rapport à la parité, ils ont un problème. Parce que la parité, dans la société, on n'y est pas encore. Dans le handball, on n'y est pas encore. Alors, vous avez vu les images ? Ce jeu, il va de plus en plus vite. Il va de plus en plus vite parce que les joueurs et les joueuses sont de plus en plus forts. Donc, ils gagnent en vitesse d'exécution. Et ça veut dire que les joueurs et les joueuses sont soumis à ce que j'appelle la fulgurance décisionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont une fraction de seconde pour décider. Ils ne sont pas dans le jeu sur une forme « je m'informe, je décide ». Ça va trop vite. Ils prennent un certain nombre d'informations, ils essayent de traiter certaines informations, mais ils ne peuvent pas être systématiquement sur « j'ai vu, je fais ». Ils font des fois sans avoir vu, et ils créent aussi chez les adversaires un certain type de comportement. Pour parler très simplement, si je veux donner la balle ici à mon partenaire, je vais faire en sorte que sur cette trajectoire de passe, il n'y ait personne. C'est-à-dire que je vais regarder là, je vais lui faire la passe ici. Ça s'appelle tout simplement la feinte. Et c'est pareil avec les gardiens de but, parce que vous savez que l'un des domaines les plus passionnants dans tous les sports co de tir, c'est ce qu'on appelle le duel tireur-gardien. Quoi qu'il en soit, nos joueurs sont confrontés à cette extrême fulgurance décisionnelle. Les meilleurs dans la fulgurance décisionnelle, c'est pas compliqué, c'est les 62 millions de Français, devant leur télé, une bière dans la main, une pizza dans l'autre, eux ne se trompent jamais. Et ils se demandent comment les joueurs peuvent être aussi mauvais. Ils mettent la balle à gauche au lieu de la mettre à droite, ils tirent au lieu de passer, ils passent au lieu de tirer. Et le plus nul de tous, c'est le coach qui est sur le bord. Déjà, il n'a pas fait la bonne sélection. Il n'a pas pris ma sœur, il n'a pas pris ma copine, il n'a pas pris les filles du club que j'aime bien, etc. etc. Ensuite, il ne fait pas jouer les meilleurs, il ne fait pas les bonnes stratégies, il ne fait pas la bonne défense. Et c'est sûr que devant la télé, les Français, eux, ont tout compris. Alors, je vais vous parler de deux choses qui sont totalement imbriquées dans le sport. C'est le travail et le talent. Si on demande à un sportif pourquoi il a gagné, ou encore mieux, pourquoi il réussit, il va toujours vous parler, il va toujours vous dire « parce que j'ai beaucoup travaillé ». C'est bien, hein, ça fait toujours très bien, dégage une image d'humilité, c'est pas toujours vrai. Vous avez jamais un sportif qui dit « vous savez, moi depuis que j'ai 13-14 ans dans ce sport, j'ai toujours été dans les plus loués ». Et pourtant, par moments, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il faut travailler, mais il y en a aussi qui réussissent, ils travaillent, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup de talent. Deux mots sur le travail. Le travail, c'est pas la quantité qui est forcément importante. Et vous, vous le savez, parce que quand vous bûchez, il arrive un moment où vous assimilez plus rien. Et les sportifs, s'ils n'ont pas de retour sur leur entraînement, s'ils ne sont pas concentrés dans l'entraînement, et surtout s'ils n'ont pas un feedback par rapport à ce qu'ils ont fait, ils ne progressent pas. Or, dans le handball, l'entraînement, c'est fait pour progresser. À n'importe quel âge. À n'importe quel âge. On peut progresser à l'infini dans ce sport parce que c'est un sport extrêmement complexe. La meilleure preuve, c'est que vous avez par exemple dans le handball un gardien de but qui s'appelle Thierry Omeyer qui a 42 ans. On dit que les qualités physiques commencent à baisser à partir de 27 ans. Donc comment ce gars qui a les qualités physiques qui baissent depuis l'âge de 27 ans joue encore en Champions League et encore l'un des meilleurs gardiens du monde ? Eh bien, simplement parce que dans d'autres domaines, il continue à progresser et il arrive à compenser sa perte physique en progressant dans plein de choses comme l'étude vidéo, comme la tactique, etc., etc. Donc on peut progresser très très longtemps. Par rapport au talent, dans le sport, le talent joue un rôle essentiel. Il faut du talent dans les équipes de haut niveau. Il y a une étude qui a été faite par une prof de fac à Montpellier qui est très intéressante. Elle a étudié particulièrement les handballeurs et elle a classifié les joueurs de handball en quatre catégories.
La première catégorie, elle les a appelés les absents. Alors qu'est-ce qu'elle appelle les absents? Ce n'est pas ceux qui ne vont pas au match, hein. C'est ceux qui, lorsque le niveau s'élève, lorsque le moment est important, disparaissent en termes de performance. Donc ce sont des joueuses qui sous-performent dans les moments les plus importants. La deuxième catégorie, elle l'a appelée les laborieux. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire, laborieux, hein. Fait, mais avec difficulté. La troisième catégorie, c'est les artisans. Ce sont ceux qui, lorsque on leur donne une tâche définie dans leur domaine de compétence, qui sont capables de faire cette tâche avec réussite. Et la quatrième catégorie, c'est les artistes. Les artistes fonctionnent différemment. Ils ont un don, ils ne voient pas le jeu de la même manière. Ils essayent d'inventer des gestes, ils essayent de s'amuser sur le terrain. Ils ne s'entraînent pas de la même manière. Ils ne préparent pas les entraînements de la même manière. Je vous parle de ces catégories. Alors moi, j'ai la chance d'avoir que deux catégories. J'ai que des artisans et que des artistes. Parce que les autres, ils ne peuvent pas jouer au plus haut niveau. Mais la relation entre l'artisan et l'artiste est très importante. Parce que l'artisan, c'est quelqu'un qui, en général, dans le milieu, ne faisait pas partie des meilleurs, et qui, au travers de la qualité de sa démarche, a réussi. L'artiste, souvent, il est sûr d'être présent tellement il a de talent. Et donc, comme l'être humain est l'animal le plus intelligent sur Terre, une fois que cet animal qui s'appelle l'être humain a compris que dans un système, il était indispensable, il peut, par moments, être très égocentré et peu travailleur. Et c'est là que le coach a un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce que si vous voulez avoir du charisme et une bonne image par rapport à l'ensemble de votre équipe, vous allez être évalué, et notamment par ce que j'appelle les artisans, sur votre capacité à gérer les plus doués, qui sont souvent les plus difficiles à gérer. Car quand vous managerez à quelque niveau que ce soit, vous vous rendrez compte, et vous le vivez peut-être, et vous l'avez peut-être subi, c'est très facile d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Le bizutage est exactement dans cet état d'esprit. Quand dans des équipes, même si on estime que c'est gentil, avoir c'est gentil, on fait porter les ballons par l'un des plus jeunes tout au long de la saison parce qu'il arrive, quand c'est toujours ces joueurs-là qui sont engueulés par le coach et que les plus anciens, les plus forts, on ne les engueule jamais, c'est ce qu'on appelle de la baronnie, ça. Et là, vous n'allez pas avoir une bonne image de coach. Parce qu'en plus, le potentiel que vous pouvez encore recruter se trouve pas chez les artisans. Il se trouve chez les plus doués, puisque eux n'ont pas poussé la machine à son paroxysme. Et ce que les artisans attendent, c'est que vous soyez capable, au travers de votre compétence, au travers de votre autorité par moment, de pousser la machine à son paroxysme sur tout le monde, de telle manière à ce que on ait l'impression qu'on est tous sur un pied d'égalité. J'ai oublié de le dire, mais ça peut être interactif, hein. N'hésitez pas, si vous avez une question, ou surtout si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, je vous passe un micro. Alors Jean Cocteau a dit « Le talent sans travail n'est qu'une sale manie ». Donc ici, dans la salle, je suis sûr qu'il y en a des talentueux qui ne poussent pas la machine au paroxysme. Ça, j'en suis sûr. Je ne sais pas lesquels c'est, mais j'en suis sûr. Alors, il y en a qui rigolent. Pour agir, il faut être motivé. Et par rapport à la motivation, il y a trois carburants. Le premier carburant, c'est la passion. Le deuxième carburant,
c'est l'ambition. Et le troisième carburant, c'est la conviction. Alors ces trois-là, ils vont ensemble. La passion, elle va vous permettre d'avoir de l'endurance psychologique dans un système. Parce qu'il faut être passionné pour enchaîner les entraînements. C'est dur, les entraînements. C'est des emplois du temps, les sportifs de haut niveau qui sont très durs par moment, moins durs à d'autres. Et ce n'est pas facile d'enchaîner tout ça. Mais si vous avez la passion, vous allez enchaîner relativement facilement. L'ambition, je dirais que ça va vous permettre d'avoir de la résistance psychologique. La passion aussi, mais encore plus l'ambition. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas ambitieux et qu'à un moment donné, vous vivez des choses extrêmement difficiles dans ce que vous faites, ça peut être des contre-performances, ça peut être un désaccord avec ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe. Si vous n'avez pas l'ambition, vous allez décrocher. Le meilleur exemple, c'est des potes de 40 balais qui jouent au football ou au handball le dimanche matin. Si à un moment donné, l'ambiance n'est pas bonne, s'il ne s'y retrouve pas là-dedans, parce que ce qu'il vient chercher, c'est surtout de la convivialité, s'il estime que l'ambiance n'est pas bonne et qu'il n'y a pas de convivialité, il va décrocher. Parce qu'il n'a pas d'ambition de résultat par rapport à ça, par rapport à ce qu'il fait. Donc l'ambition, ça va vous permettre de vous accrocher dans les moments difficiles, quand malheureusement, dans la vie du groupe, il y a des choses qui ne sont pas terribles, voire assez difficiles à accepter. Et la conviction, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que conviction et confiance en soi vont de pair. Vous savez que quand je vous parle de fulgurance décisionnelle, quand vous devez prendre une décision, de prendre une responsabilité dans le jeu, par exemple tirer, si vous n'avez pas une immense confiance en vous, si vous avez à un moment donné le moindre doute, vous ne pouvez pas le faire. Car sur un terrain de sport collectif, vous pouvez vous tromper, mais vous ne pouvez pas hésiter. Jamais. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation. Tous les joueurs et toutes les joueuses font des erreurs, et tout le monde fait des erreurs. Mais à un moment donné, quand on commence à hésiter, on ne peut pas jouer à la vitesse où ça joue. Donc il faut éliminer toutes les hésitations. Par contre, on peut avoir le droit à l'erreur. Je vous parle un petit peu des objectifs parce que je pense que vous en entendez parler et vous en entendrez de plus en plus parler. Donc oui, c'est vrai qu'il faut fixer des objectifs. Alors, les Américains, ils ont une vision un peu simpliste. Ils disent, pour réussir, il faut faire trois choses. Un, il faut fixer un objectif. Deux, il faut évaluer le prix à payer. Et trois, il faut payer le prix. En gros, moi je veux être champion du monde de handball. Ok, tu sais que ça va être dur, qu'il va falloir beaucoup travailler. Oui, je sais. Eh bien, on se retrouve demain matin au stade à 7h. Il n'y a personne au stade à 7h. Parce que c'est cette troisième partie qui est la plus importante. Fixer des objectifs très hauts, tout le monde peut le faire. Et tout le monde a assez d'intelligence pour savoir qu'il va falloir beaucoup travailler, il va falloir fournir énormément d'efforts pour y arriver. Et après, c'est pour payer le prix que c'est difficile. Un objectif, il doit toujours être à la fois ambitieux et réaliste. Si vous fixez systématiquement des objectifs à votre équipe très ambitieux mais pas réalistes, c'est de la méthode Coué. On est les meilleurs, on va gagner. C'est ça la méthode Coué. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que l'athlète a une forme de réalisme et il connaît les rapports de force. Donc, on peut fixer des objectifs très hauts, mais ils doivent être en permanence dans la réalité des moyens. Et puis surtout, c'est les sous-objectifs qui sont importants. Tu veux devenir championne du monde avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu dois améliorer? Quelle connaissance tu as de toi? Dans quel domaine tu veux t'améliorer? Dans le tir? D'accord, on va faire du tir. Et tu veux t'améliorer dans le tir? Quel objectif tu te donnes sur les 3 prochains mois pour t'améliorer dans le tir? Sur les 6 prochains mois? Les sous-objectifs sont au moins aussi importants que l'objectif. Parce que sinon,
C'est de la logorée verbale. Alors, autre élément très important, c'est la maîtrise émotionnelle. Ah, je le dis, c'est un sport où il y a énormément d'émotions, ça se joue souvent à très peu de choses. Donc il faut de la maîtrise émotionnelle de la part de tout le monde, des joueuses, du head coach en premier et de l'ensemble du staff aussi. Parce que ça m'est arrivé de monter dans le bus, le fameux bus où il se passe tant de choses dans le sport, de monter dans le bus et de voir des personnes du staff qui irradiaient du stress dans le bus. Il y en a déjà assez du stress et chacun a son propre stress et suffisamment de stress, c'est pas la peine que les autres vous en ramènent. Pardon. Donc la première chose à faire, c'est de gérer personnellement son propre stress et pas renvoyer son stress vers les autres. Par rapport à maîtrise émotionnelle, il y a un sentiment que vous devez absolument évacuer dans le sport de haut niveau et je vous conseille fortement d'essayer de l'évacuer dans la vie. C'est l'angoisse. Alors qu'est-ce que c'est l'angoisse ? L'angoisse, c'est l'anticipation d'événements négatifs qui la plupart du temps n'arriveront jamais. Vous êtes d'accord ou pas ? Je vous le refais parce que c'est l'anticipation d'événements négatifs qui la plupart du temps n'arriveront jamais. Donc l'homme vit à peu près 100 ans et se fait du souci pour 1000. Dans le sport de haut niveau, vous pouvez passer votre temps à vous angoisser. Vous avez peur de mal jouer, vous avez peur que l'équipe perde. Quand vous jouez un adversaire fort, ben vous avez peur qu'il soit trop fort. Quand vous jouez un adversaire plus faible, vous êtes encore plus mort de peur de perdre parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur et vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur, etc. etc. Donc est-ce qu'il va me sélectionner la prochaine fois ? Est-ce que... Et je suis très content parce qu'il y a beaucoup de filles dans l'amphi. Vous êtes sujette à l'angoisse. Pourquoi ? Parce que vous êtes beaucoup plus perfectionniste que les garçons, qui eux, là, 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 c'est pas grave, je suis un mec, je m'en sortirai toujours. Et donc, derrière cette volonté de perfection, ce sérieux peut venir assez rapidement l'angoisse. Donc essayez de bien respirer et d'être suffisamment philosophe pour aborder les choses avec confiance. Et le deuxième sentiment qu'il faut savoir évacuer, c'est la culpabilité. Et pourquoi culpabiliser ? Si vous avez tout mis en œuvre, quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Si vous êtes préparé, vous êtes bien préparé, vous jouez mal, vous perdez. À quoi ça sert de culpabiliser ? Alors moi, je voyais avant, parce que bon, elles ont beaucoup avancé, les handballeuses. Je voyais toujours dans le bus. Alors on remonte dans le bus. Principe de la double peine. On a perdu et il y en a une qui a mal joué en plus. Donc elle est contre la vitre, en train de pleurer. Donc je regarde le manège. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous ? Elle pleure dans le bus. D'après vous, qu'est-ce qui se passe ? Allez, jetez-vous. Vous savez pas ? Hein ? Voilà, on la réconforte. Exactement. Donc les copines viennent, et puis essayent de la réconforter. Et donc, elle a une blessure un peu narcissique, et par rapport à ça, par rapport à son ego, elle a besoin d'être réassurée. Donc les autres viennent lui apporter de l'amitié, et là, je me dis à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui est important ? Qu'elle pleure, on verra tout à l'heure, ça ne me pose pas de problème. Mais ce qui est important, moi ce que je souhaite, on joue dans 2 jours, c'est qu'elle trouve les solutions pour être meilleure. Parce que si dans 2 jours, elle pleure toujours, il faut encore venir la consoler, ben, elle n'est pas faite pour faire du sport de haut niveau. Elle est surtout faite pour énerver le coach.
Et ça sert à rien, on n'en a pas besoin. Il est déjà énervé comme ça, ça c'est suffisamment énervé. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle trouve les solutions. Ceci dit, par rapport à la gestion des émotions et par rapport à l'émotion, l'image que je vais vous donner, c'est qu'il faut se laisser traverser par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et là, mesdemoiselles, vous êtes bien plus fortes que les garçons. Parce que les garçons, ils sont forts et l'émotion rebondit dessus. Elle ne rentre pas. Vous savez, les gens qui ont tout qui rebondit sur eux, méfiez-vous, c'est souvent ceux-là qui font des cancers. Hein. Ouais, je suis fort, rien ne peut m'atteindre. Papa m'a dit que je pleurerai jamais, donc voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes content? Montrez de la joie. Vous êtes triste? Pleurez. Mais après, ça sort. Je vais donner un petit exemple. La première fois qu'on est devenu champion du monde, pardon, c'est en 2003. On a remonté en finale du championnat du monde face à un public qui était totalement contre nous, puisqu'on était, en Croatie et c'était plein de Hongrois et on jouait la Hongrie. Les mecs torse nus, vous savez, avec les tambours, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais complètement bourrés et complètement hystériques. On a remonté 7 buts en 7 minutes pour égaliser, on a gagné les prolongations et on est devenu champion du monde. C'était plus des handballeurs, c'était des dieux. D'accord ? C'était des dieux. Jamais il y a eu un spectacle pareil dans le sport co mondial, jamais ça s'est reproduit. Donc elles étaient devenues plus que des stars. Et quand on devient champion du monde, qu'est-ce qui se passe ? On rentre à la maison, c'est la fête, papa, maman. Après, on va chez papy et mamie, d'un côté, de l'autre, chez tata. Et puis, on va aussi au conseil général. Il y a cocktail au conseil général, mais il y a conseil départemental, pardon. Il y a cocktail aussi au conseil régional. Et puis, il y a cocktail, bien sûr, dans la ville où vous jouez. Pour peu que l'agglo aussi mette un peu d'argent, il vous invite encore. Les copines du lycée, ben, elles vous retrouvent, elles font une fête pour vous. Et puis, 6 mois après, préparation des Jeux Olympiques, on était en préparation. Sur le bassin d'Arcachon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui savent ce que c'est que le banc d'Arguin, au bout du bassin d'Arcachon. Il y en a qui connaissent le banc d'Arguin ici? Personne. Un endroit féerique en France. Donc c'est des bancs de sable à la fin du bassin d'Arcachon, l'eau est bleue. Donc on a été sur un banc de sable, le bateau nous a posé, il faisait un temps magnifique, tout le monde s'est mis en maillot de bain pour se baigner. Et moi les joueurs, je ne les vois jamais en maillot de bain. De cocktail en cocktail. Ça tirait la caravane derrière. Et on ne les a pas gagnés, les Jeux Olympiques. On ne les a pas gagnés. Parce que l'émotion, elle était, l'émotion positive, elle l'avait encore en elle. Hein. A contrario, et j'espère que ça se confirmera, les filles championnes du monde en 2017, 1h30 après la finale, elle parlait déjà du championnat d'Europe à venir en France. Où je vérifierai que vous êtes tous dans les tribunes à Nantes au deuxième tour. Je suis en train de repérer les têtes, là. Il n'y en a pas un qui va m'échapper. Hein. Pas un, pas une qui va m'échapper. Alors, quelque chose que vous allez entendre et réentendre, je ne peux pas mettre les pieds dans une entreprise sans que le chef d'entreprise me parle de ça, mais tout le monde a raison. Les fondations de la maison, c'est les valeurs. Le partage des valeurs, le sens des valeurs. Et on va parler de certaines valeurs essentielles dans ce que l'on fait, nous. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais quelque chose de très important, c'est le respect, l'acceptation et le chemin vers l'empathie. Alors, pourquoi je vous parle du chemin vers l'empathie? Parce que ce qui caractérise ce que l'on fait, nous, c'est qu'on est une bande d'adultes, le staff, on est 12, c'est plus un staff, c'est une armée mexicaine, on est 12, 13 des fois, c'est des adultes. Et les joueurs, c'est des jeunes adultes.
connaissez la différence entre un jeune adulte et un adulte ? Ça se voit au petit déjeuner. Petit déjeuner en équipe de France, 7h30. Le staff descend à 7h10. Tout le monde douché, habillé, les femmes, tout le monde coiffé, les femmes maquillées, la banane. Et nous, on se fait déjà une première réunion de 7h10 à 7h30. À 7h29 et 50 secondes, elles arrivent dans la salle de petit déjeuner avec un survêt. Vous avez l'impression qu'elles ont dormi avec. Et quand elles vous disent bonjour, à ce moment-là, culpabilisez, quoi, hein, parce que vous avez sorti du lit, elles vous font bonjour. Ça, c'est un jeune adulte. Et nous, on est des adultes. Et nous, on doit montrer la voie par rapport à quelque chose qui est essentiel, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme est essentiel pour réussir. Il faut prendre plaisir à ce que l'on fait. Si vous n'avez pas l'enthousiasme, vous n'aurez pas la bonne attitude. L'attitude aussi, c'est ce que je vous dis quand on arrive. Bon, ça va, le petit déjeuner, après elle se réveille, c'est bon. Mais l'attitude est importante. Si vous voulez avoir du charisme dans ce que vous allez faire, l'attitude est très importante. Vous devriez regarder. Alors je sais que je me rends compte quand je discute avec les handballeuses de votre âge qu'au niveau cinéma, ça remonte pas très loin. Mais dans un film de Lelouch qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, vous avez un passage où Jean-Paul Belmondo apprend à vivre à Anconina et il lui apprend à dire bonjour. Et il lui explique que il lui apprend deux choses. Il lui apprend à dire bonjour et il lui apprend à ne pas être naïf. Donc il lui apprend comment on serre la main, comment on regarde à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée. Et la deuxième leçon qu'il lui donne, c'est juste pour faire rire, là ça n'a rien à voir avec mon métier, Anconina, son père tient une station-service. Et il dit à Anconina, tu te montreras jamais étonné dans la vie. L'autre, il dit oui. On fait un essai. L'autre, il dit oui. Et il lui dit, tu sais que ton père, il suce le petit pompiste? Et là, il fait, oh! Ah, t'as rien compris. Évidemment, la solidarité, il faut être solidaire. La fidélité. Alors, qu'est-ce que c'est une équipe de sport co? Une équipe de sport co, c'est une meute. C'est une meute de loups. Pourquoi la meute de loups? Parce que la meute de loups chasse de manière collective, comme les meutes de lions d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les loups, vous avez des loups qui sont endurants et qui vont fatiguer la bête. Ils courent après la bête, ils courent, ils courent, ils courent. Et vous avez un loup en retrait qui est le plus rapide et qui va porter l'estocade au moment où la bête est fatiguée. Un petit peu comme si vous aimez le cyclisme, ces équipes de cyclisme qui vont travailler pour préparer le terrain pour le sprinter. Hein, parce que si vous faites du vélo, vous savez que quand on pédale derrière les autres, c'est beaucoup plus facile. Donc on entraîne son sprinter très près des meilleurs et à 200, 300, 400 mètres de la fin, on s'écarte. Et lui fait le travail. C'est ça le travail d'équipe. Et les loups, c'est pareil. Je vous parle des loups aussi parce que dans une équipe de sport co, il faut se sentir protégé. Pourquoi? Parce que c'est un sport dur, le handball. Le handball, c'est un peu comme le rugby. On pense que la plupart des équipes de handball et de rugby pensent que c'est toujours le plus agressif qui gagne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a du rugbyman ici? Hein, c'est pas un peu le discours dans le vestiaire? Ah, puis ça peut vite devenir sur l'ego, le truc. Ah, c'est aussi ce qui différencie le management des filles et les garçons. Parce que dans un vestiaire de rugby, je sais à peu près ce qui peut se dire. Mais si dans un vestiaire de handballeuse, tu dis, vous allez montrer que vous avez des ovaires, ça va, on dirait, il est fou ce mec-là. Et, par contre, dans le vestiaire de rugby, tu pourrais nous dire ce qui se dit, quoi. Donc,
C'est un sport très agressif, avec des filles qui font 90 kilos, 95 kilos, 100 kilos, et d'autres qui en font 60. Quand celle de 100 kilos, elle commence à vouloir jouer trop dur contre vous, c'est pas celle de 60 qui peut la calmer. C'est celle que vous avez, nous on n'en a pas à 100 kilos. On en a des, à 85 de muscles, c'est pas mal aussi. Donc il y a un sentiment de protection qui doit exister dans une équipe de sport co où on joue sur l'agressivité, où on va essayer d'impacter physiquement pour impacter mentalement. Parce que le sport co, c'est souvent ça. Il faut développer la sororité. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas le mot. Moi, ça fait que 6 semaines que je le connais. Donc, je ne le dis pas de manière pompeuse pour vous. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Je ne suis pas plus intelligent que vous. Alors, la sororité, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot, je vous le donne aussi parce qu'il est très à la mode. Frère, fraternité, sœur, sororité. Donc on a mis 20 siècles pour les femmes à parler de sororité. C'est triste quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore votre moment, mais ça le deviendra et j'espère que ça sera changé. Qu'est-ce qui se passe dans les familles ou dans les couples, dans les jeunes couples? Le mec qui dit « Bon, ma chérie, je vais boire un coup avec mes potes, tu gardes les gosses. Hein? On va boire un coup et puis peut-être on passera en boîte pour boire un dernier verre. » La fille a dit « Un dernier verre ?» Et plus si affinité. « Non, juste un dernier verre. Ouais. » Mais ce qui serait bien, c'est que une semaine après, « Bon, mon chéri, je sors avec mes copines, là. Tu vas garder les gosses. Hein? On va aller boire un coup. » Et plus si affinité. C'est ça qu'il faut développer dans la société, parce que malheureusement, on a pris beaucoup de retard. La société norvégienne, nous on perd souvent contre les norvégiennes. On les bat des fois, mais enfin on perd. Dans la société norvégienne, ils ont société suédoise, société danoise. Ils ont beaucoup d'avance sur nous par rapport à la position de la femme. Donc il faut qu'on continue. Et une façon de continuer, c'est de développer un sentiment fraternel, un sentiment d'amitié chez les femmes, et c'est la sororité. Dernière valeur qu'il faut développer, c'est l'humilité. On parle de réussite. On parle de réussite. Pour gagner, vous n'avez pas forcément besoin d'humilité. Mais pour réussir, voire regagner, vous avez besoin d'humilité. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Sun Tzu, l'art de la guerre, où il dit « Jamais tu ne motiveras ton ennemi ». Nous, on joue très souvent les mêmes équipes. Elles sont déjà suffisamment motivées, c'est pas la peine de les motiver en étant, par exemple, arrogant. L'arrogance est dévastatrice. Si vous êtes arrogant à un moment où vous avez gagné, vous multipliez par deux ou plus le sentiment chez votre adversaire, et si vous l'humiliez à ce moment-là, jamais il l'oubliera. Et quand il va vous retrouver, il n'aura même pas besoin de se motiver. Les sportifs font très bien ça, les sportifs par rapport à la presse. Dès que une équipe est critiquée par la presse, elle l'utilise pour se motiver. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit sur nous? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se motivent. Alors encore mieux, ils disent que les adversaires ont dit sur leur équipe. Et si c'est négatif, ils vont se motiver avec ça. Donc il faut rester humble et jamais arrogant, jamais motiver l'ennemi. Il faut développer des stratégies. La stratégie, c'est l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Le coach, le head coach, ça doit être un stratège. Mais aujourd'hui, dans le sport, c'est difficile d'être stratège. Parce que c'est difficile d'être stratège quand on est aussi le fusible. Eh bien,
Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, les stars, c'est les joueurs, les joueuses. Ce n'est pas l'entraîneur. Et le fusible, c'est l'entraîneur. Vous le voyez dans foot, rugby, handball, c'est-à-dire quand il n'y a pas de résultat. Le seul qui n'a pas joué, c'est sa faute. Vous vous rendez compte quand même. Le seul qui n'a pas joué, qui n'a pas touché la balle, qui n'a pas défendu, mais c'est sa faute. Et c'est toujours sa faute. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile, quand vous êtes fusible, de développer des stratégies audacieuses. Parce que quand vous savez que vous risquez d'être attaqué déjà sur le mauvais résultat, et que si le résultat n'est pas bon, on va regarder ce que vous avez demandé à votre équipe, etc. Et pour peu que vous ayez demandé à votre équipe quelque chose de différent, d'original, vous allez être immédiatement attaqué par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il faut rester un stratège et qu'il faut avoir de l'audace quand on manage. Il faut avoir de l'audace. Quand j'étais jeune entraîneur de l'équipe de France, le premier mondial que j'ai fait, en huitième de finale, on a joué la Pologne, comme mon prédécesseur avait joué la Pologne en 2 ans auparavant. Donc j'avais exactement le même match qu'elle. Je l'avais remplacé, donc vous pouvez douter qu'il fallait absolument démontrer que j'étais meilleur, et il fallait passer ce tour. Et la Pologne joue bien au handball, très bien d'ailleurs. Et j'avais une problématique dans cette équipe, on avait droit à 12 joueuses sur la feuille de match, et j'avais 11 très bonnes joueuses de champ. Vous savez que quand vous avez des feuilles de match à 12, vous mettez en général 2 gardiens de but et 10 joueurs de champ. Et j'ai décidé d'aligner pour un huitième de finale championnat du monde, donc un match éliminatoire, une gardienne de champ et 11 joueuses de champ. Quand j'ai dit ça aux journalistes à la conférence de presse le matin, ils m'ont regardé, mais ils ont pensé, il est complètement taré ce mec-là. Il est complètement allumé. Alors il y en a un qui a levé la main. Et si elle se blesse? Risque à prendre. Si elle se blesse, elle se blesse. Mettra une joueuse de champ. Bon, on aura perdu, mais voilà. Et en ce temps-là, mon médecin, qui était les émotions toujours un peu difficiles à gérer, au bout d'un quart d'heure de jeu, la gardienne, elle a marché sur le ballon et la cheville a commencé à partir. Et lui, son cœur, il a failli péter. Il s'est dit, si elle s'est fait une entorse. Mais elle ne s'est pas fait une entorse. On a gagné le huitième. Quart de finale, on a fait la même chose. La petite onzième, c'est elle qui a qualifié la France aux Jeux Olympiques. Elle a été mettre un but d'arrière, parce que les arrières avaient pu mettre un but. Elle a qualifié la France, elle s'appelait Chantal Maillot, c'est une joueuse du Sud, haute comme trois pommes, une ailière. Elle a fait ce qu'on appelle un démarrage d'ailier. Au-delà de la défense, elle a tiré à 10 mètres, elle a marqué. Et elle a envoyé la France aux Jeux Olympiques à Sydney. J'ai remis une gardienne, deux gardiennes en demi-finale, et j'ai recommencé en finale. Et elle a de nouveau été bonne, cette joueuse. Et on a poussé les Norvégiens en double prolongation, on a perdu d'un but. Mais, et la gardienne qui était seule titulaire sur le poste, elle a été bonne à tous les matchs. Maintenant, je vous dis franchement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'aurai encore le courage de faire ça. Parce qu'il y a une telle pression que ce n'est pas toujours facile de faire preuve d'audace. Il faut avoir le sens de l'organisation pour réussir. Là, je vais insister, parce que les Français, on part de loin. On part de très loin. Quand vous partez en quart de finale aux Jeux Olympiques en 2008 à Pékin, on entend les mouches voler dans le bus tellement tout le monde se concentre. On joue les Russes dans une heure et demie. On monte dans le bus, escorte et tout. J'entends personne. Je me dis, c'est bien, elles sont en train de se concentrer. J'aime bien cette ambiance-là. Et puis j'entends un cri d'effroi. Bon. Je me lève, tranquille, et je me pointe devant la plus casse-couille de l'équipe. Comme vous êtes jeune, on peut dire un peu des grossièretés, ça ne me sera pas reproché. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mes chaussures.
Vous imaginez, hein? Heureusement qu'elle ne fait pas du hockey sur glace, hein, parce que les épaulières, les trucs, elle joue handball, elle a les chaussures, les chaussettes, le string, la brassière, le maillot, le short, alouette. Ben elle a oublié les chaussures. Je ne peux pas lui prêter, elle fait du 45 2 tiers. Et là, elle se dit, il va me ravager. Ce n'est pas l'envie qui m'en manquait. Hein. Je lui dis, écoute, parce qu'on avait autre chose à faire que s'occuper de ces conneries-là. Je lui dis, tu te concentres, on s'occupe de tout. J'ai envoyé le manager général des garçons dans la chambre. Il a réussi à faire ouvrir la chambre des filles. Dans le bordel, il a quand même trouvé les 45 2 tiers. Elles n'étaient pas très difficiles à trouver. Et quand l'échauffement a commencé, il y avait ses chaussures qui arrivaient. Elle a pris deux leçons ce jour-là. Elle a pris une leçon d'humilité et une leçon d'organisation. Et je vais vous dire, elle n'a jamais été aussi bonne que ce jour-là. Mais on a quand même perdu. Et donc effectivement, pour réussir, il faut être minutieux, il faut avoir un souci du détail, il faut être précis dans ce que l'on fait. Et même s'il faut avoir le sens de l'organisation, il faut avoir d'énormes capacités d'adaptabilité. Parce que vous avez beau avoir tout prévu, l'imprévu peut arriver. Et l'imprévu peut être totalement dramatique en plus. Ça peut être une blessure grave, ça peut être malheureusement un décès dans une famille, enfin vous retrouvez devant, ça peut être un problème de déplacement catastrophique. Et il faut vous adapter. Et là, il n'y a qu'une personne qui peut décider. C'est le head coach. Vous êtes payé pour ça. Parce que comme vous avez une armée mexicaine autour de vous, vous finissez par plus faire grand-chose. Hein. La vidéo, tout vous est préparé. Le préparateur physique qui s'occupe de la préparation physique, le matériel, tout le monde s'en occupe. Mais là, quand il y a l'imprévu qui arrive, il faut être capable de prendre la décision, la bonne décision. Il faut être capable d'être... Une grande qualité, c'est d'être pragmatique. Moi, j'ai toujours basé ma carrière sur deux choses, l'empirisme et le pragmatisme. Et n'oubliez pas une chose, un très bon proverbe qui dit « En toute chose, malheur est bon ». Il faut savoir tout utiliser qui va se présenter devant vous. Tout peut être utilisable. D'accord ? Tout. Tout peut être une opportunité. Quand on parlait du droit, le droit à l'échec, on a une très bonne phrase dans le sport collectif, par exemple, c'est « Victoire et défaite sont deux menteurs qu'il faut savoir accueillir d'un même front. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez... profiter d'une défaite, vous pouvez subir une défaite, vous pouvez profiter d'une victoire, vous pouvez subir une victoire. Et souvent, c'est plus facile d'utiliser les défaites que d'utiliser les victoires. Très difficile d'utiliser les victoires. C'est pour ça que souvent, on fait appel à des préparateurs mentaux, parce qu'eux sont beaucoup plus forts que nous. Nous, les coachs, on est souvent très bons pour utiliser la défaite, parce qu'on remobilise, parce que on voit ce qui n'a pas fonctionné. Il ne faut pas toujours trouver la bonne direction. Hein. Vous savez, pour trouver la bonne direction, vous pouvez commencer par éliminer des directions qui ne sont pas bonnes. Avant de prendre une bonne décision, la bonne décision, si on peut dire qu'il y a la bonne décision, vous pouvez déjà éliminer des mauvaises décisions. Moi, quand je fais la sélection, hein, donc bon... Il y a 200 handballeuses professionnelles, et les 200 rêvent d'être en équipe de France, pour de multiples raisons. Bon, même si elles ne sont pas dans l'immédiatité... c'était pas français, ça. Même si, dans le moment, elles ne sont pas toutes candidates, il y a quand même, on va dire, 50 candidates pour 16 places. Et ben, à un moment donné, il faut, pour arriver à... Il faut élaguer, comme on dit, éliminer des joueuses au fur et à mesure pour arriver à un groupe de 21-22 et travailler sur, réfléchir sur la complémentarité. Neuvième élément, la gestion du temps. Le temps est le même pour tous
gagnera celui qui en fera le meilleur usage. Nous, par rapport au temps, on a une problématique, c'est qu'on ne peut pas s'entraîner autant qu'on veut. Pourquoi ? D'abord parce qu'on joue de plus en plus. Vous avez un rapport entre nombre de matchs et nombre d'entraînements. Plus vous faites des matchs, et plus vous allez être obligé de réduire le nombre d'entraînements. Pour des raisons d'organisation horaire pure, mais surtout par rapport à l'organisme. Parce que ce qui vous fait construire votre calendrier, votre programmation, et vos programmes de stage, c'est l'état physique des joueuses. Si on pouvait faire plus d'entraînement, on les ferait. Mais par rapport à la traumatologie, on est obligé de réduire le nombre d'entraînements. Par exemple, pour les tendinites. Mais on n'a jamais vu de tendinite du cerveau, je vous rassure. Vous pouvez y aller. Donc ce que vous ne faites pas dans ce qu'on appelle le 40-20, la salle d'entraînement, vous pouvez le faire là, avec de la vidéo, avec des schémas, avec des discussions, avec votre équipe. On peut travailler là quand on ne peut plus travailler là. Par rapport à la stratégie, j'ai été un petit peu vite, je voudrais revenir sur quelque chose d'important. La stratégie, il faut qu'elle soit, et ça, ça fait partie de la transversalité, les stratégies, il faut qu'elles soient partagées avec les joueuses. D'accord ? Il ne faut pas être dans un système vertical. Si vous dites à votre équipe, on va faire telle stratégie, telle tactique, parce que je pense que c'est la bonne tactique, si tout le monde est d'accord, ça va, mais s'il y en a qui ont la sensation qu'on aurait pu faire différemment, d'abord, cette tactique, comment vont-ils la mettre en œuvre ? Car quand vous échouez, vous pouvez raisonner à l'opposé de deux manières. La première, les stratégies n'étaient pas bonnes. La deuxième, les stratégies étaient bonnes, mais elles ont été mal mises en œuvre. D'accord ? Si les stratégies, vous les avez choisies avec les joueuses, parce que c'est elles qui les mettent en place, c'est elles qui ont l'expérience, c'est elles qui sont au cœur de l'action. Si vous choisissez les stratégies avec elles, et que vous êtes en difficulté parce que vous avez perdu, parce que vous avez mal joué, le premier réflexe de tout le monde, ça va être quoi ? De se poser la question, est-ce qu'on les a bien mises en œuvre ? Qu'est-ce qu'il a manqué dans notre façon de mettre en œuvre ces stratégies pour que ça fonctionne ? Si vous êtes dans un système vertical, la première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont attaquer les choix. Et là, vous êtes tout seul. Et là, vous ne l'aurez pas volé. Donc, il faut faire participer les joueuses pour choisir les stratégies ensemble. Et puis, quand c'est elles qui décident, ça a 100 fois plus de force que quand c'est moi qui décide. Pour peu que ça ait été discuté totalement en interne, entre les coachs, sans les coachs, entre elles, entre joueuses, et qu'elles viennent vous dire « on a envie de faire ça », ça a de la force. Ça a de la force. La seule petite problématique, c'est quand vous ne pensez pas comme elles. Et comme un match, ça dure 60 minutes, vous pouvez très bien commencer sur la stratégie des joueuses, et puis après, faire une autre stratégie qui vous semblait peut-être plus adaptée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles préfèrent rentrer dans un match avec les stratégies qu'elles ont choisies, plutôt que de se faire imposer une stratégie. La maîtrise de la communication, très important. Alors, vous avez deux types de communication. Vous avez la communication interne et vous avez la communication externe. Juste deux mots sur la communication externe, par exemple avec les médias. Le handball, on est un sport peu médiatisé, très connu, et paradoxalement peu médiatisé. Parce que si vous faites un micro-trottoir en France, et que vous dites aux Français, quel est le sport dont vous êtes particulièrement fier aujourd'hui ? Vous en avez un paquet qui vont vous dire le handball. Et quand on voit le nombre de pages qu'on a dans l'équipe, on est quand même un petit peu écœuré.
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe? Foot. Et dans le foot, le PSG. Ils gagnent, première page. Ils perdent, première page. Ils jouent bien, première page. Ils jouent mal, première page. Il y en a un qui pisse de travers, première page. Il y en a un qui arrive, première page. Il y en a un qui s'en va, première page. On en a plein le cul. On gave les Français comme des oies avec le foot. Et après, on nous dit, oui, mais ils veulent du foot. Ils veulent, tout le monde veut du foot. Tout le monde veut du foot. Quand on sait que des fois, il y a un tir cadré, quand même. Ils comptent les tirs cadrés. Ils ne comptent pas les buts. Le mec, il tape. S'il tape et que c'est dans le poteau, là, tir cadré. Excellent. Il y a eu 2 tirs cadrés dans la mi-temps. C'est génial comme spectacle. Et là, vous êtes caillé dans la tribune, là, pour peu que la flotte vous tombe sur la gueule, vous avez payé 60 balles, plus le pognon que vous mettez dans la télé. C'est ça, malheureusement. Donc nous, on est peu médiatisés. On a de temps en temps droit à une page au fond, là. Ça veut dire que notre discours, il faut qu'il soit authentique. Les gens viennent nous voir parce qu'on raconte une histoire. Parce qu'on dit des choses intéressantes. Parce que l'entraîneur de foot, lui, tous les samedis soirs, il dit « Je suis content des garçons, mon équipe était bien en place. » Et la semaine suivante, il dit « Je suis content des garçons, mon équipe était bien en place. » Et il a toujours 3 pages dans l'équipe pour raconter ses conneries. Donc nous, on est un sport où on fait très attention. Alors on ne raconte pas tout, mais on essaye d'avoir un discours authentique. Mais le plus important pour nous, ça reste la communication en interne. Alors, que vous dire ? D'avoir attention avec les mots. Les mots, quand ils sont mal utilisés, ils créent des blessures qui ne cicatrisent jamais. Il vaut mieux, parce que c'est très masculin, 2 mecs dans un vestiaire qui sont au bord de se foutre sur la gueule, et avec Dieu merci, les partenaires qui les retiennent, que ce qui s'envoie les pires saloperies dans le langage. Parce que quand vous allez trop loin dans le langage, qu'il est notamment méprisant, c'est terminé. Vous coupez le fil. Et nous, les coachs, il faut qu'on fasse très attention par rapport à ça, et notamment par rapport à nos émotions, parce que nous, on est des vainqueurs, on voudrait tout le temps gagner, et quand on perd, on est déçu, quand l'équipe joue mal, on est déçu, et quand on a l'impression que, par exemple, on perd, on joue mal, et on n'a pas réussi à mettre en place les tactiques choisies, on peut être très en colère. Et la colère est très mauvaise conseillère. Parce que la parole que vous prononcez est votre maître, celle que vous gardez pour vous, est votre esclave. Ce que vous ne dites pas à un instant, vous pourrez le redire plus tard. Mais ce que vous avez dit, vous ne pourrez pas le retirer. C'est pour ça qu'il faut être prudent et stratège dans sa façon de parler, dans le moment où on parle. Nous, on a la chance de faire de la vidéo, donc vous n'êtes pas content d'un match ce soir, vous le regardez la nuit, vous avez dormi un petit peu quand même, et là, vous êtes quand même beaucoup plus opérationnel pour débriefer. Quand vous débriefez, parce que c'est vrai qu'il arrive par moments, quand je vous ai parlé de ce qu'on appelle, par exemple, les divas dans une équipe. Vous savez, vous avez des divas. Je donne toujours la même image. Si vous êtes l'impresario d'une diva, une vraie diva, une chanteuse, allez, chanteuse d'opéra, vous êtes son impresario. Vous êtes le 15 janvier à Oslo, au fin fond de la Norvège. Vous êtes dans le même hôtel, pas dans la même chambre. Elle vous appelle à 2h du matin et elle vous dit « Je voudrais des fraises. » Hein ? C'est la diva. Vous allez les trouver, les fraises. Je ne sais pas comment vous allez faire. Vous allez au hall d'Oslo, il y a des fraises. Vous allez les trouver dans la nuit. Le lendemain, elle chante. Si elle chante comme une diva, vous les avez oubliées, les fraises. Et si elle chante comme une casserole, vous les avez là, les fraises. Parce qu'elle n'a pas remboursé. Et c'est ça, les divas. Mais quand vous êtes obligé d'avoir un entretien un peu difficile avec une joueuse, il ne faut jamais le faire devant les autres. Jamais. Parce que c'est plus un vestiaire, c'est un tribunal.
Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous le prenez en face à face. Et après, vous pouvez parler durement à la joueuse. Mais jamais à la personne. Parce qu'en face de vous, et par moment vous avez la personne, et par moment vous avez la joueuse. Et si vous arrivez à faire la différence, c'est-à-dire avoir une excellente relation, de la complicité, du respect avec la personne, vous pouvez être dur avec la joueuse. À condition que vous mettiez en exergue la différence entre le résultat et l'attente. Si vous dites à une joueuse, je suis déçu parce que tu peux faire nettement mieux que ça, vous la valorisez. Si vous lui dites, t'es toujours nul quand il y a un match important, la fille a 28 ans, elle dit, il est fini hein, l'entretien là, toujours nul, important, allez à dégager. Hein? Vous avez des techniques qui s'appellent notamment la PNL où on essaye de vous apprendre ce type de choses. Donc il faut faire très attention au langage qu'on utilise. Et pour moi, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est la communication non verbale. Il y en a une qui fait une mauvaise passe, puis l'autre, elle n'arrive pas à l'attraper. Donc celle qui a fait un mauvais passe, elle fait... Puis l'autre, elle fait... Ça, c'est ce qu'on appelle de la communication non-verbale négative. Faites une mauvaise passe. Excuse-moi, il n'y a pas besoin de se mettre à... Hop. Et l'autre, elle fait... T'inquiète, ça m'arrive aussi à moi. Fini. Fini. La communication non-verbale, vous la connaissez aussi parce que vous avez aussi dans votre entourage des gens qui ont du mal par rapport à ça. Quand vous êtes dans un échange un peu dur avec une joueuse et que vous lui parlez, elle fait comme ça. Vous êtes là, devant, elle fait comme ça. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire, moi je vous le dis, ça veut dire je t'emmerde. Hein. Que si on vous le fait un jour, ça veut dire je t'emmerde. Donc il faut dire comme à la maison, tu me regardes quand je te parle. C'est la moindre des choses. C'est ça la communication non-verbale. C'est très important. Dans les salles où on ne peut plus se parler, d'abord on a une communication non-verbale pour échanger des informations, mais on a aussi une communication non-verbale pour dégager de la force, pour donner de la force aux autres, pour donner de la confiance aux autres. C'est comme ça qu'on s'élève. Ce que préfèrent les équipes de sport collectif, c'est penser que, avec une force collective, avec une intelligence collective, ils vont pouvoir battre tout le monde et le fin du fin, le pied absolu, battre des adversaires qui sont plus forts. C'est le rêve de toutes les équipes de sport co. Mais cette force collective, comme je leur dis toujours, il faut la travailler, vous êtes gentilles les filles, vous voulez être supérieures aux autres, mais qu'est-ce que vous faites ensemble, collectivement? Qui a deux téléphones ici? Qui a deux téléphones ici? Vous êtes des étudiants, pas deux téléphones, il n'y a plus qu'un téléphone. Les handballeuses ont toutes deux téléphones. Donc déjà, quand vous avez un téléphone, vous n'êtes pas ouvert sur les autres, mais quand vous en avez deux, hein? Donc quand vous passez votre temps sur cet outil de malheur là, et que vous y passez toute la journée à faire ce que vous voulez, moi j'en sais rien, que vous fermez ça, comment vous voulez avoir une force collective? C'est pas possible. Parce que vous ne cultivez pas votre jardin. Dans le bus, moi j'aime bien remonter le bus, dans les moments, ce que j'appelle les moments ultimes, partez en finale des championnats du monde, vous avez déjà fait un beau parcours, mais il vous reste encore quelque chose à faire. Je passe dans le bus, j'échange deux mots, une plaisanterie, ça peut être un conseil de handball, et puis sinon, un regard. Et il y a quelques années, je tombe sur une fille qui était sur, je ne sais pas, console de jeu, ou regardait rien du tout. Donc je m'arrête devant elle, puis je me penche pour qu'elle me voie. Elle arrête son truc là, elle me regarde. Et là j'ai vécu un grand moment de solitude. Hein.
C'était un crime ce que j'avais fait. Vous vous rendez compte, elle a été obligée d'arrêter son activité pour regarder le coach à 1h du match. Quand on en est là, il ne faut pas espérer avoir une force collective supérieure aux autres. Ce n'est pas possible. Le dernier point, il faut sublimer la singularité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que vous avez de mieux en vous, c'est votre singularité. Ce qui vous est propre, particulier, personnel, différent des autres. À condition que vous respectiez les règles de vie et les valeurs du groupe. Ça, c'est important. D'accord ? Ça peut être un peu, par exemple, la différence entre avoir du caractère et être caractériel. Si vous avez du caractère, vous intéressez le collectif. Si vous êtes caractériel, vous n'intéressez pas forcément le collectif. Mais nous avons des joueuses qui viennent d'horizons totalement différents, qui ont des vies totalement différentes. Pour être le plus transparent possible, nous avons des filles qui viennent de milieux favorisés, beaucoup de milieux défavorisés, des filles qui sont d'origine d'Afrique, avec leurs racines en Afrique. Nous avons des filles qui viennent des îles, des filles qui viennent de France, nous avons des filles qui ont fait des études, d'autres qui n'ont pas fait d'études, d'autres qui sortent de familles avec une très bonne éducation, d'autres qui sortent de la rue avec des familles monoparentales, mais c'est justement sur tout ce qu'ils peuvent apporter, dans ce qui est singulier, qu'on va faire un groupe qui a de la richesse. Donc, on essaye de cultiver ça, notamment avec le préparateur mental, mais ça demande aussi à tout le monde de faire l'effort de comprendre les autres. Pour mieux se comprendre, pour mieux s'apprécier. Principe de vie essentiel. L'inverse s'appelle le racisme. Je ne te connais pas, donc je ne te comprends pas, donc je ne t'aime pas. Et ça, c'est important dans un groupe, parce qu'on peut amener sa richesse. Vous savez, dans le bus de l'équipe de France, vous avez les blacks derrière qui chantent. Tout le temps. Devant, vous avez les blanches qui lisent un bouquin. Eh bien, les blacks derrière, elles sont contentes que les blanches, elles lisent le bouquin parce que c'est comme ça qu'elles allaient vivre. Et les autres, elles ont le sourire, elles entendent les autres chanter et elles lisent leur bouquin. Parce qu'elles ont compris que, de toute façon, elles n'abordaient pas les choses de la même manière et qu'il faut respecter la culture de chacun. Et là, quand on respecte la culture de chacun, eh bien, à ce moment-là, chacun va apporter sa richesse à ce groupe. Je vais finir, et après je vais vous donner la parole, un très beau texte que j'ai trouvé très sympa, qui est... c'est Jean Galfione qui a dit ça. Vous savez qui est Jean Galfione comme, il y en a quelques-uns qui savent qui est Jean Galfione. Aidez-moi. Non, personne. Perchiste. Champion olympique, il me semble. Hein. Alors, il a dit, « Ce qui est beau pour moi, ce n'est pas la performance, c'est le chemin pour y accéder. J'aime la vision du sport de Bernard Moitessier, le navigateur. Il dit que la compétition n'est qu'un prétexte pour soigner ses douleurs. À 32 ans, je suis devenu un homme il y a peu de temps. Je suis en quête de quelque chose de vital, comme tout sportif de haut niveau. Je voudrais juste être heureux, mais je ne sais pas bien comment. » Donc, 32 ans. Donc, voyez-vous que, en tant que jeunes adultes d'une vingtaine d'années, vous avez encore du temps devant vous. Prenez votre temps pour devenir des adultes. Voilà, merci.